Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Nous entendons là. Bonjour, bonsoir. Si nous entendons là. Ok. Maintenant, nous disons oui, nous entendons moins. En fait, nous étions 14 mois qui est monté. Nous allons déraper là, maintenant. On dit si nous entendons moins. Je dis assez vendredi. Et vendredi 6 octobre. Christine Love, est-ce que vous entendez? Oui, nous entendons. Ok, nous allons. Nous pressions le diable. Nous avons temps, nous avons dérapé là avec Nouvelle-Yo. En fait, le grand prix de l'actualité, actualité, c'est surtout ici aux États-Unis. Et avec un grand coup là qu'a fait dans le Congrès à Dédomnala pour justement pour un nouveau président pour la Chambre des députés. Il y a seulement deux candidats déclarés. Président et ancien président Donald Trump dit endossé un candidat. Et c'est M. Jordan, c'est le député Jordan qui dit lui-même dit endossé. Et l'autre candidat, c'est Scalise. Donc, ancien président, il n'y a pas écarté des possibilités pour faire une visite dans le Congrès. Il dit que le suspect que M. Ontijan est gaillé. Donc, il a besoin de faire une rencontre avec eux pour justement la météo. Et dans l'ordre pour le parler avec eux, ici là pour le bail aux forces, parce que monsieur vraiment son petit gars. Et alors, il y a une menace qui a dit que pour le prochain président de la Chambre des députés, il y a un monde qui est modéré, qui est capable de concilier les deux partis. Il y a des capables de démocrates, républicains, conservateurs, avec progressistes, pour mettre tout le monde ensemble. Justement pour pouvoir avancer cause et congrès et agenda. Pendant ce temps, toute activité campée dans le congrès, enquête qui est ouverte sous le président Joe Biden en campé. En fait, en attendant qu'on président, bon, mardi prochain, c'est va et jour que le candidat déclaré va présenter le programme à l'Assemblée. Et puis, mercredi, cap 11, il va gagner les votes. Et par bon vote pour choisir nouveau président. Alors, on a dit en janvier dernier, et ancien président Kevin McCarthy était passé et était obligé de faire 15 votes pour être joindre jusqu'à ce que pour Kevin McCarthy soit capable élu comme président de la Chambre des députés, qui est le troisième personnage en lignée présidence américaine. Donc, président, vice-président. Et puis, il y a le président Chambre, député à qui sont un gros personnage, nous comprenons l'importance et le personnage. L'autre nouvelle, toujours, c'est la décision. Nous avons une grosse délégation américaine qui est trouvée au Mexique, qui est en tête du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Alors, nous connaissons que depuis le Mexique, il n'y a pas discuté. Il y a très certainement discuté des questions qui sont pour avec l'immigration, avec Gorg et Fentanyl. Mais l'immigration illégale. Donc, il y a trois bouts de tout dans la délégation. Ça. C'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le ministre de la Justice et Galen, et puis il y a tout, et le ministre de la Sécurité intérieure et Alejandro Mayorkas. Donc, c'est des membres de la délégation. Ça. Donc, la délégation a visité le Mexique. Ils ont rencontré avec les officiels mexicains, parce que le ministre de la Afrique, quand j'ai rencontré le président mexicain, tout. Et aussi Manuel López Obrador qui parlait, discuter des questions vraiment qui ont intérêt pour les deux pays et les États-Unis en particulier parce qu'avec quantité d'augmentation de ces immigrants qui ont fini sur frontière et que vous constatez ces temps derniers qui ont pris sur frontière, donc M. Galéo, est-ce que tu as nous entendre pour voir si le Mexique a fait plus pour diminuer quand ces immigrants qui ont pris sur frontière. En parlant de ça, les États-Unis, en fait, l'administration Biden, non, et lever toute loi, ou bien mettre en veilleuse toute loi fédérale, locale et État qui empêchait construction muraille et sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, surtout dans la vallée Rio Grande Valley, donc dans la zone Texas. Donc nous rappelons que le président Biden était monté comme président et fait la première action qu'il a pris, c'était camper. Et construction muraille, ça que l'ancienne administration Donald Trump a commencé lui-même.
Mais c'est un point de campagne. Hein, ce président a dit que l'aile montée, il dit qu'il y a une construction. C'est des obstacles déjà que l'ancienne administration a rencontré, mais il dit qu'il y a une construction. Eh bien, et ça a la surprise de tout le monde que jeudi 5 octobre, là, eh bien, le ministre de la Sécurité intérieure et Alain de Marocas a publié une note pour dire que l'administration a décidé de continuer avec la construction. Alors tout le monde dit, mais c'est une promesse de campagne. Et ça a fait expliquer pour justifier la décision. Elle dit que ce n'est pas un nouveau l'argent que le son argent était déjà voté, déjà qu'on a déjà voté depuis en 2019 pour des consommateurs, mais le président Joe Biden était campé sur la construction. L'argent était déjà là, c'est toujours là. Mais l'administration t'a demandé, t'es censé demander et Congrès pour l'été virer l'argent non l'autre bagaille. Et mais Congrès va jamais faire et là en sorti là jusqu'à faire année fiscale là et n'a pas de année fiscale là et 30 septembre pour finir là. Et bien et Congrès dit le pape François, il faut que dégager pour utiliser non et façon que était pour ça que était voté là. Donc ça a été voté là, c'était construction mais là, donc ça sont dit bon, pas dans quelqu'un qui a fait comme ça. C'est sinon qui autorisé que construction commence. Donc puis on a babié pour ça, puis on a babié, mais ça n'est pas fin qui nouveau. Mais moi dire c'est la meilleure solution, ces murailles là, construire à sous frontière la meilleure solution et mais ils dit non, c'est pas la meilleure solution pour diminuer et quantité immigrants qui prend sous frontière. De façon illégale. Et puis, bon, délégation à l'aide, il y a une délégation pour Maïtiane, ville New York, la commune, c'est une en ville, État Texas, à Boémon Bayo, et parce que ça a fait État Texas, il y a plusieurs États dans le sud des États-Unis, mais ça a fait eux-mêmes, tous les migrants illégaux que je viens prendre, mettent dans le bus, ils vont aller dans la ville et côté que c'est démocratique qui a dirigé. Et donc, actuellement, la ville, ça a été comme son Japon. Réaliser l'administration de plus de fonds, gens parce que nous pas carrément encore nous-mêmes, nous pas de moyens, nous pas de ressources nécessaires pour que nous aider, pour que nous faire face à la situation là. Les fonds sont source pour continuer et aider nous bien encore fonds moyens pour contrôler flot immigrant. Donc c'est comme ça que Maïssa vit New York là et Gadams, monsieur non pèlerinage lui-même, il était au Mexique hier. Bien tout dit à demain monsieur qui pour les aller en Équateur avec Colombie, dire pour visiter Foreda, il y en a, nous avons regardé la comme ça. Foreda, on l'a visité Foreda, justement, côté que les immigrants ont passé pour entrer aux États-Unis. Mais tout, et Maïssa et Radam parlent de nécessité pour que l'administration, pour qu'il y ait une réforme qui fait dans le domaine de l'immigration. Il y a une tentative qui est faite, mais en général, la République est toujours campant. Quoi? Content d'avoir ça parce que son réforme en profondeur, qui vous faites dans l'immigration, démocratie, il y a plus de tendance à faire, mais les républicains ont toujours mis des contrôles et ça a bloqué un petit peu progrès ça, mais il y a un appel qu'on tient à penser pour que, et appel qu'on tient à penser pour que les progrès qui fait, pour que les réformes qui fait dans l'immigration. Donc, Maïssa et Kadams, dans tout ça à tour, et bien, écoutez, là, chercher. Certainement convaincre pays Amérique du Sud pour que eux-mêmes puissent porter contribution et tout, n'a empêché les immigrants de traverser au Mexique pour venir et souvent les États-Unis viennent demander asile et au fois demander asile, c'est tout le problème tout court. Donc c'est là nous qu'on est avec la situation frontalière. Donc construction muraille sur frontière et la pour commencer et par contre date qui baille, mais au moins l'administration a levé toute loi. Et toute loi locale, toute ordonnance locale et dans le niveau État, dans le niveau fédéral, et bien, et on peut surtout voir ça, justement, pour permettre que les constructions mirales continuent justement pour contrôler les flots immigrants. C'est environ une trentaine de kilomètres que l'administration a dit qu'il va le faire, mais surtout après nous en dans la vallée et Rio Grande Valley, qui c'est le fleuve Rio Grande, et dans ce sens ça va faire, mais ils sont conscients de camper parce qu'il y a plusieurs obstacles pour le monde qui parle et l'État de l'achat à ses propriétés. Il y a même des procès qui commencent même que l'administration et ton plan qui malheureusement n'est pas fini avec l'initiative que le guerre. Et puis, dans ce qui concerne le pays d'Haïti, l'actualité a toujours dominé avec réaction et
en Haïti et au Kenya concernant les forces multinationales au Kenya qui vient pour aller en Haïti, en fait qui vient pour prendre tête aux forces multinationales qui vont aller en Haïti. Et le ministre des Affaires étrangères là, Kenya, qui vient de faire un commentaire de la façade et nouvelle rapporter, monsieur de commenter le thème de monsieur qui a dit quoi que les forces Kenya vont aller en Haïti, et bien, monsieur dit ça va pas longtemps. Et son bac a fait tout suite, etc. Donc, il y a l'administration et le président Ruto, William Ruto, a pensé que des cas où M. Tonjan dépassé et que, premièrement, il a dit que M. était pas allé en voie président, il a fait commenter lui-même. Donc, il a considéré. Bon, en tout cas, il a retiré M. dans le poste ministre des Affaires étrangères. Il a voulu M. actuellement comme ministre du tourisme et puis de l'opposition au Kenya. Et qu'il y a un ancien ministre. Et on sait pour le ministre qui n'a pas encore contre l'idée, mais quand même, le parlementaire kenyan dit que pas aucune force qui a déployé pour aller en Haïti tout en tant que parlement, pas de feu vert pour forcer à aller et en Haïti. Donc, bah, là, dans New York, réaction communauté n'est pas différente. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord, et c'est comme ça que je dis à un groupe haïtien. Un groupe haïtien, alors, et militant haïtien, qui va manifester devant le consulat et Kenya dans New York pour exprimer des accords avec des décisions parce que les forces kenyanes, c'est cas déjà qu'il donc c'est cas déjà qu'il y a déjà qu'il va le faire en Haïti sur Timé Damio, et puis tout, et c'est violation de la zone, il va pas le faire, et puis dans le propre Kenya même, réaction qui sortit dans Kenya même, monsieur dit que Kenya pas habitué, et ces bâtons, monsieur, qu'on servi, il pas habitué, c'est via ZAM. Alors si monsieur va le battre avec les gars en Haïti, eh bien, c'est son bataille, il a perdu déjà, donc ils ont dit que Kenya pas gagné. Aucune raison pour qu'il n'y ait aucun intérêt et qu'il n'y a pour aller en Haïti pour aller des polices nationales. Je veux dire que en principe qu'il n'y a ça semblait que et c'est dans une marionnette. Ils mettent qu'il n'y a devant mais au fond c'est pas qu'il n'y a mais le président qu'il n'y a dit lui-même dit pas péchoué en Haïti et il dit que la même il croit qu'elle a du succès. Donc une réaction ça demande qui nous entendait sur le plan local et il y a un peu de monde qui bat bravo pour décision et conseil de sécurité en ce jour en plus de la société civile là, en plus de la société de droits humains. Mais il y a tout qui dit bon, il y a fourni, j'ai gardé. Toujours il y a un qui va d'accord, mais il y a un qui dit il y a fourni, j'ai gardé. Il dit que c'est bon, si la vie remplit mission et si ça la vie de faire, il est vraiment sérieux et la fond et tout le monde supporte. Mais si vous comprenez que, et, par exemple, il faut que vous ayez une feuille de route qui bien définit mission et force multinationale ça pour éviter pas de gratter tête. Demain. Donc ça veut dire que opinion mi figue mi raisin. Concernant et sur même que sur ça nous parler et donc réaction que ça n'a pas le dans la capitale ou bien dans New York c'est toujours à débattre avec qui nous parler avec qui nous dire que ça ici même qui pour manger à faire pour résoudre problème pour eux il va bien mais d'espoir que c'est étranger qui va venir résoudre problème que aucun. Et sous frontière, pas rien qui bougeait, c'était que la construction mur là a continué. Il y a un peu de monde qui a réfléchi pour dire est-ce que la construction mur ça l'a bien fait, est-ce que la préfète vraiment a besoin et fermier dans la zone. Non. Mais je dis, on a présenté un autre aspect, c'est le problème de gasoline et que les travailleurs ont besoin. Par exemple, nous avons que Morty a pris le batterie, un appareil, si machine de mettre gaz là-dedans, il y a des problèmes qu'on y a pour jouer une gasoline parce que il y a monsieur Nega Meyo dans la zone et plateau central ou bien encore dans Bayou Bayou là, donc ça veut dire qu'ils ont raté de gasoline et le fait qu'ils ont un problème déjà donc, et Haïti n'a pas lâché gaz en République Dominicaine, le fait que la frontière techniquement frontière fermée. Donc, comme il n'y a pas qu'à le prendre en République Dominicaine, de forcer la carte pour gaz à l'attention, je dis que je dis à correspondant à nous et Jules Junior Saint-Ville, a bien pour lui aborder le dossier ça. Pour nous, MJT parle de nous, par exemple, et groupe monde qui est censé mettre ensemble pour bailler manger, puis qu'on comité qui a recevoir don, recevoir manger en espèces, don en espèces et matériel, justement pour permettre le projet d'aller avancer. Mais entre-temps, et
président Luis Abinader m'a dit que c'est n'a pas fait marche de décision là, l'a fait un frontière. Et il dit le jour que frontière ça pas à l'aile frontière va réouvrir, c'est pas même frontière ça encore, c'est pas l'autre frontière, une autre frontière complètement différent l'a réouvrir. Mais entre temps que miracle depuis 2015 pas construit tout ni même la caille tout c'est pas Haïti, mais bon parti dans zone ça même que mi a ça a fini construit et 2015 continue à construire à partir justement pour lui contrôler et flot immigrant haïtien qui a cherché à traverser la caillou sans document légal ou bien et ensuite en républicaine opération arrêtée à continuer immigration la République rouge des haïtiens cap vivant en République sans document légal et depuis le junior et au point yo mettez dans machine vous voyez non sans détention relais qui n'a en côté que les Aïna et des Aïna étant qui devait quelque chose là mettre un bus et puis à la guerre sur frontière et donc un groupe des droits humains qui sont là et qui a accueilli tout. Donc on va avoir un rapport exactement sur ces gens qui est rapatrié involontairement. Il y a gens qui viennent volontairement, il y a gens qui tout yo rapatrié, yo quitté, retourné involontairement. Et puis nous va parler tout de réaction un groupe d'assumés en Haïti tout sous et sous décision du Conseil de sécurité des Nations Unies prend pour le voter et pour l'autoriser Kenya prend tête une force multinationale pour lui aller en Haïti et puis gagner un juge et c'est Walter Jean, c'est Jean-Claude et bien lui-même lui blanchi pratiquement et membre et l'église épiscopale blanchi paye. Non, et l'église épiscopale nous a appelé un scandale et contenait les âmes qui étaient jeunes dans la douane, etc. Et bien, et, mais vous voyez, six mois pour Pépiti devant le tribunal et pour y aller juger pour participation dans l'opération ça, ou bien dans l'opération âmes qui étaient dans le conteneur, qui étaient sous nom et l'église et, épiscopale là. Mais en général, l'enquêteur n'a pas joué aucune implication pour l'église épiscopale dans le dossier. Donc nous allons bien pour nous parler de dossier ça tout. Dans le journal Radio sur Télévision Abrimédia, nous allons parler de manifestations que les militants haïtiens ont fait devant le consulat Kenya dans New York. Ça sont nouvelles que Valérie Saint-Louis a porté pour nous. Et puis. Et puis tout, nous avons parlé autour du président Joe Biden. Nous avons que la décision qu'on a gâtée pour voter budget, provisoirement, budget temporaire, et qui a fini pour un mois et demi, qui a fait le gouvernement était pour un mois et demi, et puis été retiré assistance qui est dans l'Ukraine. Et bien, dans le ça, et bien, le président Joe Biden a fait un compte sur le dossier ça même avec la responsabilité nationale. Pour le dossier Ukraine, que sous tapis dans le calendrier de discussion et Ukraine tout en parlant d'Ukraine, Ukraine lancé une attaque là contre l'occasion de plusieurs pas été liquidé et là aussi qui t'a mené une opération sur l'occasion de plusieurs pas été liquidé là aussi et puis quand c'est travail aux États-Unis et bien bon pour qui fait et c'est le travail là by 336 000 jobs et ajouté pour moi et septembre qui se passé là. Donc son avancement de fait. Donc c'est ce monde que et nouveau monde qui travaille aux États-Unis. Et puis dans ville Saint-Marc, dans la ville Saint-Marc en bas de l'eau, donc là qui est tombé dans un an, en fait, depuis avant hier, là en bas de l'eau. Et mon couille toute ma chambre qui baille dans ma marché tout passé en bas de l'eau et j'avais un monsieur qui s'appelle ça appel pour dans ça appel par autorité parce que par gouvernement local là du tout parce que ça non plus tout il y a pas protection civile mais qui était certainement et peut-être pendant une journée qui a été fait par et tout monsieur qui a pris sur pour l'instant gang armé au cerveau bien dans zone là et monsieur armé ça dans zone bas à Tibonitlan. Je continue à mettre mes machines, kidnapper mes machines à tous les passagers, déchirer et aller avec eux. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas joué jusqu'à présent, qui étaient seulement dans mes négames. On a parlé d'opération et les négames ont mené dans la base de Tibonite. Et puis, c'est une météorologie annoncée tout. Il était probable capable de gagner une inondation dans plusieurs zones
dans le pays d'Haïti, de commander les populations pour prendre plus de précautions dans ce moment-ci. Là. Et. Oui. Voilà, moi, c'est ça que je pour nous. Jeudi, c'est. Et. Vendredi 6 octobre. Et c'est moi qui ai présenté le journal jeudi à deux. Chacun est à la Cali, jeudi à deux jours. Ça fait M. 48. On a compté, ça fait deux jours qu'il est à la Cali. Et l'autre, c'est un point deux jours. Pour une parité. Donc, Jacques a pris pour parler nous surtout de. Ça, j'ai pris pour parler nous. De sa capacité de Congrès américain et course pour rejoindre un nouveau président pour le Congrès. Donc, c'est Jacques qui a parlé sur ceci là. Puis, gentil, même dans New York City, qui a parlé sur rencontre. Entre président Biden fait avec le Conseil national de sécurité à l'Ukraine, donc sur la sécurité, le gentil Augustin a pris pour le vin sur dossier japonais, et puis c'est Michel lui-même tout, là il pour parler de visite délégation américaine sur le fait au Mexique, côté dossier immigration illégale là, il y a quand même une discussion ensemble avec Fetamina, tout est dans la carrière de discussion. Voilà, c'est autant de questions à répondre pour le journal là. Nous déjà invité pour nous souhaiter passer un bon week-end. Un bon week-end, je vous dis, c'est vendredi. Et rappelons que vendredi, c'est week-end. Bambouché, c'est vrai. Pas consommer alcool sur les conduits machines. Et conduits machines sans pas consommer alcool. Et plutôt, ou pas gâcher dans nos machines avec un chauffeur qui finit consommer alcool. Parce que la voie est aussi importante. Maintenant, habitat, on va aller. Content de réaction, moi, toujours là, toujours. Merci un peu. Donc, lundi encore. Et pour même petit bat boucha passer bon OK mais après en attendant dans quelques heures n'après le journal et radio télévision à 4 boules. Bye bye.